Il a fait tellement beau ces 2 jours derniers. Le ciel était bleu, mais si bleu, bleu comme on aime. Du coup, j'ai eu envie de filmer une nouvelle vidéo vous montrant comment j'ai réalisé ce t-shirt. Je l'ai réalisé à partir de mon corsage de base. J'utilise un nouvel appareil et un nouveau logiciel de montage pour faire mes vidéos. Donc, je ne maîtrise pas encore vraiment le fonctionnement du logiciel de montage. Du coup, je ne sais pas écrire sur les vidéos. Donc, ceux qui voudront suivre le tutoriel devront exclusivement se fier au son de ma voix. Il n'y aura pas d'indication avec des textes sur la vidéo. Ce qu'on va faire pour coudre le t-shirt, la simple transformation qu'on va faire pour coudre le t-shirt maintenant, c'est d'ouvrir un peu plus l'encolure. Parce que là, on est sur une encolure de base. Elle est trop serrée. Donc, ce que vous allez faire, c'est relier votre dos et votre devant sur la ligne d'épaule comme ceci. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez, voilà, vous pouvez même scotcher comme ceci, parce que ça ne bouge plus. Et sur le devant, vous allez descendre l'encolure de 6 cm. À l'épaule, vous allez ouvrir de 3 cm. Et sur le dos, vous allez descendre de 2 cm. Bon, le dos, on essaie de tracer un petit peu à l'équerre sur 3 cm. Maintenant, on rejoint une courbe comme ceci. Voilà, ensuite vous n'avez alors qu'à découper tout autour comme ceci. Quand vous avez fini de découper, alors vous venez scinder vos 2 pièces ici et ce sera bon. Voilà, c'est ce que moi j'ai déjà fait ici sur mes patrons. Non, je vais laisser ça, je ne vais pas découper, mais j'ai déjà fait la même opération ici, comme vous pouvez le voir. Voilà. Voilà, donc cette partie a été enlevée. Je vais faire, c'est prendre mon tissu. Alors, c'est un tissu. Vous pouvez prendre un tissu de t-shirt basique, hein, ou alors un tissu un peu extensible. Le mien est un petit peu extensible. Alors, une petite chose qui peut être bien si vous n'avez pas encore de surjeteuse, c'est d'investir sur des ciseaux crampeurs.
Thank you.
tout autour. Là, j'ai 28,5. Ensuite, à ces 28,5, je vais enlever 2 cm. Donc, je vais faire moins 2 cm. 28,5, 26,5. Et donc, mon biais pour faire la finition sur mon encolure devra avoir une longueur de 26,5. On enlève les 2 cm pour pouvoir résorber l'élasticité ici pour que notre encolure ne baille pas.